Un drame s'est produit ce matin au Porrest. Un chauffeur de poids lourd est mort renversé par un chariot cavalier. Les forces de l'ordre sont sur place pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Thibaut Cordier, bonjour, vous êtes en direct. Est-ce que vous avez plus de précisions sur ce qu'il s'est passé ce matin ? Bonjour Julien, effectivement, c'est un terrible accident qui s'est produit ici même au niveau du Porrest ce matin. Alors il était aux alentours de 9h30 lorsqu'un homme d'une quarantaine d'années, un chauffeur de poids lourd, a été renversé par un chariot cavalier. Selon nos informations, l'homme n'était pas à l'intérieur même du véhicule mais bien sur le terre-plein lorsque l'accident s'est produit. Alors vous le savez, hein, ces chariots cavaliers, ce sont ces grands bras métalliques, ces grues qui permettent de transporter des conteneurs du bateau jusqu'au camion. Alors malgré l'intervention des pompiers qui sont intervenus rapidement sur place, l'homme a succombé à ses blessures. Pour le moment, aucune information, aucune indication sur les circonstances exactes de cet accident. La police est toujours sur place pour mener les investigations. Les caméras de surveillance du port sont étudiées et les témoins interrogés pour faire la lumière sur cette affaire. Merci Thibault pour toutes ces informations. Vous étiez devant la caméra de Guillaume Kondoki.